semaine, à Made in Laurentide, on s'amuse et on part à l'aventure à Mont-Tremblant. Chez Mission Liberté, on apprend à travailler en équipe pour résoudre des énigmes et par la suite, on découvre l'envers du décor de Mont-Tremblant dans les sentiers de vélo de montagne avec l'organisme Vélo Mont-Tremblant. C'est un beau réseau. On a la chance d'avoir notre particularité, je pense, c'est que c'est très diversifié. Donc on en est fiers. Et les dernières années, on a eu la chance aussi d'avoir des subventions qui nous ont permis de faire des belles améliorations, des nouveautés, des nouveaux sentiers, de l'entretien. On a un peu plus de 50 km de réseau officiel, plus d'autres projets. Donc on a un très beau sentier à Tremblant. Nous, à Tremblant, c'est à la fin des années 90, début 2000, où ça s'est un peu structuré, parce qu'avant, c'était des initiatives personnelles. Les gens qui aimaient rouler, tout simplement, qui créaient leur propre sentier. Et je pense que c'est pas mal partout comme ça. Et après, ça se structure un petit peu avec la mise en place d'OSBL, les villes qui s'impliquent avec des subventions en général, qui permettent d'encadrer un petit peu cette discipline et de créer des sentiers, parce qu'il y a beaucoup de particularités. C'est assez technique de développer des sentiers, donc ça prend de l'encadrement. C'est très bien signalisé. Depuis les dernières années, on a fait de grosses améliorations. Tout le réseau a été refait avec une nouvelle signalisation. Il y a des cartes qui sont refaites, pas nécessairement annuellement, mais très régulièrement. Donc une fois que les gens ont la carte et qu'ils rentrent par une des portes d'entrée du réseau, c'est facile de se repérer. Tourisme Mont-Tremblant, avec qui on travaille en partenariat, a vraiment mis de l'avant le vélo au sens large, donc le vélo de route avec les événements Ironman, avec tous les investissements dans les nouvelles routes où la mise à jour, les réfections des routes, ça a apporté beaucoup de nouveaux cyclistes dans la région. On est très chanceux. Et aussi le vélo de montagne. Donc pour la région, c'est une destination de vélo. Vélo de route, vélo de montagne, vélo hybride. Tout type de vélo pour les jeunes, les moins jeunes. Savez-vous quelles sont les retombées économiques qui sont associées au vélo de montagne? Non, mais il y en a beaucoup indirectement, donc c'est pas évident d'avoir les résultats précis. Nous, on les a à notre échelle avec Vélo Mont-Tremblant, vu qu'il y a une cotisation, un droit d'accès au sentier. Mais vu que les gens peuvent venir rouler par eux-mêmes, on n'a pas de données précises. Malgré tout, c'est des gens qui viennent des fois sur plusieurs jours, qui vont aller en hébergement, qui vont dépenser dans les restaurants. On a plusieurs boutiques de vélo, donc ils vont consommer aussi des produits de vélo. Donc c'est sûr qu'il y a des retombées importantes. Et c'est un pouvoir d'attraction important. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout au Québec pour pratiquer le vélo ici. Ouais. Tremblant, c'est magnifique. Là, quand on habite Tremblant, on veut plus le quitter. Donc, quand les gens viennent découvrir Tremblant, parce qu'il y a le vélo, mais il y a tout plein d'autres choses à faire à Tremblant. Donc c'est une destination connue, réputée. Et on vient profiter des Laurentides, des lacs. Le réseau est tellement diversifié qu'il va y avoir des choses très roulantes le long des rivières, des choses un peu plus techniques qui donnent la possibilité d'avoir des beaux points de vue sur les golfs, sur les lacs. Donc oui, il y a un attrait et les gens prennent beaucoup de plaisir. On a beaucoup de compliments sur la qualité et la diversité du réseau. Quelle est la provenance des gens qui viennent à Mont-Tremblant pour faire du vélo de montagne? C'est très varié. C'est de plus en plus large, les gens viennent de plus en plus loin. C'est sûr que c'est principalement les villes plus proches. Malgré tout, il y a des Américains, il y a des Ontariens, donc ça reste très large. Et les gens viennent de plus en plus loin pour faire du vélo de montagne. Chaque année, vous souhaitez ou vous faites des améliorations. Il y en a justement qui sont en cours. Oui, en ce moment, il y a la cachée qui est entièrement refaite, qui va ouvrir cet été.
Et chaque année, on a des projets. Donc, il y a vraiment une stratégie derrière ça parce qu'on veut faire en sorte que ça cible plus, par exemple, les familles ou que ça touche les différents types d'utilisateurs, donc des choses plus techniques, des choses plus roulantes, que les différents sentiers se relient entre eux, qu'il y ait des boucles. Le premier défi, je dirais que c'était... moi, je parle souvent d'un trésor inconnu ou caché. On avait du mal un petit peu à faire réaliser au monde qu'on avait la chance d'avoir un énorme réseau. Donc là, on a mis plus d'efforts sur le marketing, les différents partenaires avec qui on travaille, comme la station, la ville, Tourisme Mont-Tremblant nous aide plus, il y a une concertation, on travaille en équipe, donc ça change beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment en évolution, on est vraiment content. Les autres défis, c'est un peu l'historique du vélo à Tremblant, c'est que c'était, vu que c'était des initiatives un petit peu personnelles, le réseau était très éparpillé. Et il y a plusieurs entrées, ça avait été conçu de façon non réfléchie ou sans prendre en considération des normes, tout ce qui est lié à l'environnement, à l'irrigation, à l'érosion. Donc là, on est plus en réflexion du réseau avant de développer encore plus. S'il y a différents organismes, c'est pas la ville qui gère ça, c'est parce que les sentiers passent sur les terrains de la ville, mais également sur des terrains privés. Est-ce que ça représente un défi pour l'organisme? Oui, c'est pas évident parce que justement, on travaille avec des propriétaires terriens. Donc c'est sûr, la station, la ville sont les principaux. Mais après, on a aussi des particuliers, des privés. Donc pour chaque propriétaire, ça prend des droits de passage. Il peut aussi y avoir des projets immobiliers comme on a connu justement avec la cachée. C'est la raison pourquoi on a un nouveau sentier. Donc on a refait la piste qui était existante, on l'a déplacée. Donc les sentiers de vélo de montagne sont ici pour rester à Mont-Tremblant? Plus que rester, ils sont là pour se développer, le réseau va grandir. On a beaucoup de sentiers qui sont non officiels encore parce que justement ils ont été créés par des initiatives personnelles. Donc on est en train d'essayer de les intégrer dans notre réseau, dans notre plan. Donc ça va aller en augmentant les prochaines années, c'est sûr. Il y a plusieurs sentiers qui ont une double vocation. Donc l'été, ils peuvent servir pour le vélo de montagne, mais l'hiver, ils servent également pour la raquette ou le ski de fond. Est-ce que ce partage de sentiers-là amène également son lot de défis? Oui, c'est vraiment pas évident. Et on a même créé, la ville a créé un organisme qui s'appelle Plein Air Mont-Tremblant pour répondre à ces défis, qui sont des beaux défis. Mais le fait d'utiliser des sentiers pour des utilisations différentes, avec des spécificités très précises. Je peux prendre un exemple avec le vélo de montagne. On veut des sentiers très étroits, on aime bien des fois des virages relevés. Mais si c'est un sentier de ski de fond, il faut que la nameuse puisse passer, donc il faut que ça soit plus large. Si le virage est relevé, la nameuse ne pourra pas passer. Donc à nouveau, c'est du travail de réflexion, d'équipe pour prendre en considération ces enjeux et trouver les solutions ensemble. Il y a des droits d'accès, des droits d'une cotisation. Donc soit à l'année, nos membres finalement les passes saison, familiales ou individuelles, et des passes journalières. Et quelle est l'utilité de ces frais-là? C'est principalement, on essaye que le maximum aille dans l'entretien, dans les sentiers. Nous, c'est ça qui prime pour nous. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de tâches administratives, de marketing, de cotisation aussi, nous, avec par exemple Vélo Québec, etc. Donc la majorité pour les sentiers, tout le reste pour tout ce qui est marketing, administration. Tout le monde peut venir, c'est ça qui est... quand on ne connaît pas trop, certains peuvent avoir peut-être des craintes en pensant que c'est... beaucoup imaginent ça au vélo de descente, c'est plus large que ça, c'est du cross-country, donc c'est de la montée et de la descente, c'est accessible à tout le monde. Donc c'est juste que c'est dans le bois. Et après, il y a différents types de sentiers, donc les sentiers avec peu de montée, où il y a moins de roches, moins de racines, c'est très roulant. Donc pour les familles, pour les enfants en bas âge, c'est accessible. Le Vélo Mont-Tremblant organise des sessions pour initier les enfants, pour initier les filles. Vous faites en fait des séminaires d'éducation face au vélo. Oui, c'est des événements qu'on a depuis 2-3 ans maintenant, chaque année, et qui se développent et qui grandissent d'année en année. On est même nous-mêmes impressionnés. Cette année, on a amené un enfant à faire du vélo de montagne, donc c'est vraiment pour les enfants. On a eu plus de 100 enfants, alors qu'en plus c'était une journée où la météo n'était pas avec nous. Et on leur fait des ateliers, on leur fait découvrir les sentiers. Et un événement seulement pour les femmes, l'atelier des poules,
Là, c'est plus comme un camp d'entraînement. C'est juste une journée, mais il y a des instructeurs certifiés. Donc, il y a vraiment des leçons. C'est fait par groupe de niveau. Donc, on fait découvrir le réseau et aussi, on donne beaucoup de conseils techniques. Puis ça, c'est important pour vous assurer, pour développer la relève? Ben oui, pour développer la relève et pour faire découvrir le réseau encore une fois. Donc une fois que les gens l'ont découvert et qu'ils sont rassurés, finalement tout le monde peut en faire. Je peux venir avec ma voisine, je peux venir avec mon enfant. On est content et les gens sont contents, donc ça fait que ça aide au développement. Dans nos objectifs de moyen long terme, c'est qu'il y ait vraiment un centre d'accueil, un départ, avec une permanence du monde en tout temps, qu'il y aurait même des vestiaires, que les gens puissent se changer, et que le réseau, qu'il y ait vraiment des boucles débutantes, boucles intermédiaires, que le réseau soit plus, pas nécessairement plus large, mais un peu plus densifié, et que les connexions entre les différents secteurs, qui sont la ville, le vieux village, la station Mont-Tremblant, le domaine Saint-Bernard, et peut-être même le parc, que tous ces différents pôles d'action soient connectés par le réseau de sentiers.